Avec des brassards rouges, les agents du quotidien Fraternité Matin sont en colère. Leur mécontentement fait suite au non-paiement des salaires dans les délais légaux des travailleurs et 10 autres revendications. Au nombre de 225, ils lancent un ultimatum de 48 heures à la direction générale pour le paiement de tous les salariés à compter du mardi 9 au mercredi 10 juillet 2024. Nous décidons aujourd'hui si demain ou plus tard, demain 10 juillet, plus tard, tout le salaire sera payé. Nous allons entrer en grève le jeudi 11 juillet 2024. À demain, ensemble, les femmes. Nous voyons que nous sommes bien assez. Si les salaires ne sont pas payés, ici, il y a quand tu n'as pas payé, tu n'as qu'un intérêt, tu n'as qu'un avantage. C'est le salaire. C'est un droit. On peut le payer de façon rapide, de façon facile. Et ponctuelle. On ne peut pas comprendre, on dit qu'il n'y a pas l'argent. L'argent, c'est exactement le cerveau. Nous conduisons la recherche, donc il faut qu'on nous paye des salaires de façon ponctuelle. Le syndicat des travailleurs unis de Fraternité Matin reste ouvert à toute discussion avec la direction générale pour trouver de meilleures issues à leurs revendications.